Danse avec les stars, Fovoto toujours aussi proche de Tek. Il y a des aventures qui ne s'oublient pas. L'émission Danse avec les stars fait partie de cela. En effet, lorsque l'on partage des semaines d'enchaînement acharné et des soirées à gérer un stress insoutenable, cela a de quoi resserrer les liens. Billy Crawford et Fovoto en savent quelque chose. Vendredi 11 novembre 2022, sur TF1, les deux artistes vont s'élancer sur le parquet de Danse avec les stars. En direct, pour tenter de décrocher la victoire. Une victoire que la danseuse professionnelle de 36 ans connaît bien. En effet, c'est elle et son protégé, le rappeur Tek, qui ont gagné l'an passé. Un trophée qui venait récompenser un couple qui n'avait pas ménagé ses efforts dans la compétition. Vendredi 11 novembre 2022, un an après leur triomphe, c'est Tek en personne qui viendra remettre la coupe au grand vainqueur. Un moment qui marquera des retrouvailles entre Fovoto et Tek, deux bosseurs nés qui se sont, tout de suite, très bien entendus. Dans les colonnes du Parisien, le rappeur avoue, « J'ai beaucoup appris avec Fovoto. Elle a réussi à me driver, ce qui n'est pas évident avec mon caractère de taureau. » Pourtant, cette aventure, celui qui s'appelle Julien dans la vraie vie a bien failli ne pas la vivre. J'ai eu des réunions avec des équipes où tout le monde me déconseillait de le faire. Le risque? Devenir trop un produit TF1 et perdre mon identité d'artiste. Pourtant, aujourd'hui, un an après, Tek ne regrette pas. Bien au contraire. Son public s'est agrandi et il a gagné une amie. Car oui, Fovoto et Tek s'entendent toujours à merveille. Nous sommes restés amis. Confie le chanteur du titre Le Temps. Une déclaration que la jolie rouquine confirme, on est encore très proches. C'est simple, quand je lui passe un coup de fil, il me répond soit qu'il est au studio, soit qu'il est à la salle de sport, c'est un énorme bosseur comme moi. La victoire n'est pas seulement artistique dans Danse avec les stars, elle est humaine aussi.